Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les mercredis pour Amnesia: The Dark Descent. Donc, la dernière fois, on était passé par la prison. Il y avait un petit trou dans le sol et donc on l'avait cassé pour pouvoir passer. Et on s'est retrouvé ici. Après, ça fait évidemment poursuivre par le monstre. Et je m'étais perdue, mais complètement. Je ne sais pas du tout où aller. Donc ben voilà. Donc j'avoue que j'ai encore regardé la solution. Enfin vite fait quoi, j'ai pas regardé dans les détails. Je sais pas spécialement où aller. Mais bon, si c'est trop long, je couperai. Parce que je sais que c'est chiant de voir quelqu'un galérer pour trouver un chemin. J'ai plus d'huile, merde. Il m'en reste qu'une. Putain, ça va être horrible. Ok, donc là, je sais qu'il faut trouver un truc pour pouvoir casser le cadenas. Ah voilà, c'est ici justement. C'était pas très loin en fait. Ouais, c'est bon. On va assez bien sans la lampe parce que là, l'huile part hyper vite quoi. C'est hyper chiant. Ok, bah de l'huile justement. Tant mieux. On a ça aussi. Ramasser fiole en verre. Donc on va sûrement refaire un mélange. Un truc comme ça. Des boîtes d'amadou encore. Il n'y a plus rien, on dirait. Non, je vois plus rien. Ah, peut-être là-haut. Non, c'est juste le bois. Je pensais voir une boîte d'amadou, mais non. C'est le bois. Ça, c'est rien. Rien du tout. Ok, donc on y retourne. Oula! Je vois plus. C'est bon, regarde. Ici. Ça ne ferait que briser la fiole en verre. J'ai pas compris ce qu'il a dit. On peut rien faire là. Bon, apparemment, on peut rien faire. Je crois avoir lu qu'il fallait prendre de l'acide. Mais moi, je pensais qu'il était dedans. Apparemment, non. Je crois me rappeler à peu près des noms des salles, donc je vais essayer de me diriger par ça. J'entends les chaînes du monstre, putain.
Je crois que je tourne en rond. Parce qu'en face, il y a la grille qu'on doit détruire justement. C'est pas ça la cuisine. Pas du tout. Donc je me rappelle avoir lu qu'il fallait aller dans la cuisine. Alors c'était une boîte d'amandou, je croyais ça. Mais non. Oui, donc déjà je me rappelle, enfin je crois avoir lu qu'il fallait aller dans la cuisine. J'ai peur, putain. Ah, cuisine. Mais j'entends le monstre. Ah, mon nez me gratte, pardon. Je me rappelle être venue ici. Enfin, dans l'épisode d'avant. Merde, plus d'huile. Elle est où la cuisine, putain? Non, c'est pas ça. Non, là c'est d'où on vient, putain. Vous savez quoi? Je vais chercher et je vous reprends après. À tout de suite. Ok, donc en fait la cuisine était juste où je vous ai laissé. C'était juste la pièce qui était un peu plus loin. Donc voilà, c'était pas très compliqué. Mais bon, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc c'est horrible. Donc là, il note ici. North of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Okay. Je crois avoir vu de l'huile là. Ouais. Nous avons fait. Une toujours. Ne viens pas ici. Non, mais pas qui vient ici. Encore des ports accrochés, c'est vrai. Ok, donc on a. Putain. J'ai vu ça. Donc on a ramassé l'acide. Et le monstre est là. Oh putain.
Oh, c'est horrible. Allez, dégage. Je sais qu'il y a une touche pour se pencher et regarder derrière le mur, mais je ne sais pas laquelle c'est. Enfin, sur manette en tout cas, parce que sur clavier je sais où aller, mais sur manette, non. Plus l'air d'être là. Ah, je le vois au fond. Il y a encore des boîtes d'amadou ici. On est blindé en boîte d'amadou quand même. On en a 32. Mais je m'en sers pas vraiment, donc faudrait que je m'en serve plus. Parce que je prends tout le temps l'huile et du coup, elle part très vite et c'est un petit peu chiant. Donc maintenant, on va retourner au cadenas. Je pense que maintenant, on peut l'ouvrir. Je crois que c'était par là. Ah, c'était vers stockage, je crois bien. Merde. Ah, ça va. C'est bien parce que des fois, quand on est dans le noir, ça s'éclaircit un petit peu. Et du coup, on voit. Zone cellule 3. Mon Dieu, putain. Zone de cellule 4. Oh putain. Stockage. Donc la porte elle est derrière. Mais je sais plus si je suis allée ou pas là. Ouais. On va à la porte. Cela ne ferait aucun bien? Comment ça? Je me rappelle pourtant avoir lu, parce que je vous le dis, j'ai lu vite fait quoi, qu'il fallait dissoudre ce cadenas. Ok. Bon. Je vais encore faire une coupure, je suis désolée. Pour pas trop que vous me voyez galérer quoi, c'est chiant, donc voilà. Donc à tout de suite. Bon. Je suis revenue à la cuisine et j'ai la solution devant moi. En fait, on me dit. Parce que franchement, j'ai tourné pendant un quart d'heure. Vraiment, j'ai tourné en rond, j'ai absolument rien trouvé. Donc on me dit que on refait le chemin inverse, sauf que au lieu de prendre le couloir de droite après le second panneau stockage, continuez tout droit puis avancez dans le couloir jusqu'à vous retrouver devant une grille ah, j'ai bugué, avec un cadenas en mauvais état et une boîte d'amadou au sol. Donc je me souviens de la grille et de la boîte d'amadou au sol. Mais les grilles que j'ai trouvées en tournant, eh ben les deux cadenas sont en très bon état.
Et j'ai essayé plusieurs fois et ça marche pas vraiment. Et puis je ne trouve pas de chemin quoi, c'est horrible, j'ai tourné pendant un quart d'heure. Au moins, minimum. Donc là, ça ne bouge pas. J'ai essayé. Et là, donc on a un panneau cuisine, mais ils disent après le deuxième panneau stockage. Donc je ne sais pas si c'est après le deuxième panneau, juste un panneau, ou alors si c'est deuxième panneau stockage, quoi, deux stockages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en plus. Donc voilà. Et vraiment, j'ai vraiment cherché, tourné de partout. Et je crois avoir trouvé deux grilles. Mais les cadenas sont en très bon état. Et quand je veux mettre l'acide dessus, bah, ça me dit que ça ne fera pas du bien. Donc voilà. Donc là, on a vu deux panneaux, dont un stockage. Et là, on a encore un panneau et c'est un cuisine. Et devant, on a stockage. Donc là, on me dit après le second panneau stockage, continuez tout droit. Sauf qu'on ne peut pas aller tout droit. Déjà. Voilà. En plus, je vous promets que jouer seul à ce jeu, ça fait pas du bien. Vraiment pas. Peut-être celui-là, le chemin tout droit. Mais vraiment, j'ai rien trouvé. Pourtant, je me rappelle de la grille où il y avait la boîte à amadou par terre. Je me rappelle. Voilà, très bon état. Donc, si je mets l'acide, ça ne fera aucun bien. Le cadenas n'a pas été affecté par l'événement. Donc c'est bien celui-là, le cadenas, alors. Parce qu'il me dit qu'il n'a pas été affecté par l'événement. Donc c'est bien qu'il faut faire un truc. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas du tout. C'est horrible de pas trouver comme ça. Pourtant, c'est écrit et tout, je suis bien ce qui est écrit, mais ça ne marche pas. À moins que je sois vraiment très 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 bête. C'est quoi ce truc? Ah, c'est des rats. Oui, donc je disais, à moins que je sois vraiment très très bête, ce qui m'étonnerait même pas, vu comment je galère ici. Voilà quoi, je sais pas. Franchement, je trouve pas. Donc en face, c'est celle qu'on a faite à l'instant. Je bug parce que je parle vite là, ça m'énerve. Enfin, je suis énervée par ça quoi, parce que ça m'énerve de pas trouver, c'est chiant. Donc là, c'est une salle toute. Et plus d'huile. Donc là, c'est une salle toute seule. Enfin, toute simple. Et là, pareil, hein. On a une salle et une autre salle ici. J'entends un bruit à droite, je sais pas ce que c'est horrible. Je sais pas si c'est mon câble de mon casque qui me frotte ou si c'est dans le jeu. J'entends un espèce de frottement donc. Bon là, je sais pas trop le chemin qui est indiqué, mais tout à l'heure je l'ai fait et je trouvais pas, donc voilà. Donc là, je crois qu'on a une autre grille. Il est fermé avec un cadenas en métal. Oh putain! Mais je suis venue ici. Non, sérieusement, je suis venue là. Et même là, c'est écrit vers machin ouest.
Enfin, ouais, voilà, vers l'entrée du réservoir. Oui, mais je me rappelle être venue ici, vraiment. Je suis venue. Ah, je vous promets que je suis venue. Ah, je vous promets, mais vraiment, je suis venue, hein. Oh là là, putain. Non, 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 non. Viens pas, toi. Viens pas. Allez! Allez! Putain! Pardon! Ah, putain, mais. Je vous promets, je suis venue ici. Je suis venue, mais je me rappelle très bien. Putain. Oh, mais putain, mais je suis en bas, c'était passé. Alors pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Vraiment. Est-ce que je suis venue? Ah, mais je vous promets, je suis venue. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Ok. Bon. On a trouvé la grille, mais je vous promets que je suis venue et que ça m'a dit que ça ne ferait pas du bien. Ah, putain. Je vous promets. Mais vraiment quoi, je suis venue, putain. Bon. Il y a quoi ici? Ça ne bouge pas. Ok, donc là on a une échelle. Et des fuites de je ne sais pas quoi. Voilà, je suis un peu loin du micro, je pense que vous ne m'entendrez pas très bien. Je me suis rapprochée, donc ça devrait aller maintenant. On a un levier ici. Levier évoqué, dressé à synchronage. Donc il faut de l'huile, je suppose. Ah mais non, mais je suis encore sous le choc de la grille quoi, parce que je suis venue. Ah putain, mais vraiment, je suis venue. J'ai dû venir deux fois même. Ça m'énerve. Ça m'a énervé, mais je vous promets quoi, c'était horrible. Je suis venue, putain. Il faut de l'huile. C'est pas de l'huile ça? Non, c'est un peu trop blanc pour être de l'huile. Je veux même pas aller en dessous de l'eau. Enfin, parce que je pense que c'est de l'eau. Ah si, c'est bon. Je croyais que l'eau m'avait repoussé. Bref. De l'huile. Là c'est blanc, là c'est blanc, blanc, blanc. Blanc. Ah là c'est noir on dirait, non? Ouais, je pense que c'est là. Ok, c'est ça. Un récipient nécessaire pour prendre de l'huile. Je vais voir ce qu'il y a d'abord là-bas. De l'eau. Ok. Il y a un chemin là. À moins qu'on puisse nager, il n'y a pas de chemin. On va aller prendre l'huile. Une fiole d'huile en verre. Il n'y a rien dans les débris là. De l'huile, des boîtes d'amadou ou quoi. On dirait pas. Bon.
ça le casse, on dirait, non? Enfin, ça le tord, non? Allez, descends. Ouais. C'est ça. Une porte là-bas aussi, mais je crois pas qu'on puisse y aller puisqu'il n'y a pas de chemin. Il y a deux leviers ici. Bon, on va s'arrêter là et on verra ce qui se cache dans la salle de contrôle la prochaine fois. Parce que ça fait déjà 25 minutes. Enfin, sans compter le temps où j'ai tourné en rond. D'ailleurs, si... bon, c'est peut-être pas forcément intéressant, peut-être que j'ai tort en fait, mais si je trouve, enfin si je le trouverai sûrement, le passage où je suis allée devant la grille et qui me disait que ça marcherait pas, je le mettrai, parce que je suis sûre, mais à 100% d'avoir testé l'acide là-bas, donc je suis sûre, mais vraiment. Mais comme j'ai dit, peut-être que j'ai tort en fait et que je passe pour une grosse débile quoi. Mais vraiment, je me rappelle très bien être allée là-bas, mais bon, peut-être que j'ai tort et comme je dis, voilà. Bref, c'est chiant de m'entendre râler sur ça, mais bon. J'aime pas avoir tort, donc bon, du coup, voilà, ça me donne encore plus envie de dire que j'y suis allée parce que je me souviens très bien y être allée. Bref, je me tais, et voilà. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo qui est peut-être un peu chiante et plus soudante que d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire et aussi un petit j'aime et pourquoi pas partager la vidéo et aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Et aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.